Peu de quartiers de Paris ont un passé aussi riche que Saint-Germain-des-Prés, où l'histoire et la création se sont donné rendez-vous. La magie et le charme de Saint-Germain-des-Prés illustrent le lien particulier qui unit ce quartier et la vie culturelle et artistique de la capitale française. Ils ont quand même gardé les pavés. À la fin des années 1940, les existentialistes, les peintres, les photographes, le monde de la chanson aiment à se retrouver le jour dans les grands cafés et la nuit dans les caves à musique, écoutant le jazz Nouvelle Orléans, introduit en particulier par Sidney Bechet.